Je sais pas. Et bonjour. Et... Bonjour. Bonsoir. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Tiens, je m'entends en double chez Hulor. Moi aussi, je t'entends. Ah, putain, on entend le son. Oui. Mais il est pété ce PC. Enfin, il est pété ce casque en fait. Parce que du coup, vous entendez mon micro alors que c'est un casque. Comment vous entendez le son du casque dans le micro? C'est la carte son qui... Impossible. Tu crois que j'ai une carte son, moi? Je me prie pour qui? Je sais pas, une moi. Carte son intégrée. Oh, bon. Ah, t'as une carte son intégrée, d'accord, comme ça. Oh, soniste. Ah, je vais pas m'amuser à acheter une carte son pour le peu d'usage que j'en ai. Yes. Incroyable, ça. Incroyable, ça. Donc, du coup... Je pourrais pas écouter. Je suis déçu. Qu'est-ce que vous allez faire vous aujourd'hui? Alors on va continuer le menu avec les inputs, hein, vu qu'à la fin on n'avait pas pu terminer, hein, c'était yes. Tout pété. Donc, que tu vas faire sur moi? Alors moi je vais continuer les events un petit peu, et puis après je vais basculer sur les items. Oui, les items encore. Ouais. Les items et tout, et après on va regarder vite fait comment ça se passe. Attends, excuse-moi, vu que personne n'a fait la danse. Ah oui, j'ai oublié. My bad. Et je suis en train de le faire. C'est pour ça que je le dis. Donc, du coup. On va faire les items, et après ça, après un petit nombre d'items, on va commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'on a besoin, et puis voilà quoi, c'est tout. On va partir là-dessus, et pour pouvoir faire déjà une proto-maquette, et on va voir comment ça se passe. Tout simplement. T'étais pour Orti? Oui, non, je parlais avec mon coloc. Ah, d'accord. C'est live là ou non? Bah oui, si, c'est live. Ouais. C'est incroyable. La force de. Comment ça va, Mono? Il y a des gens en plus. Où, Mono? Sauvo? Le son, il est tout pourri à ce qu'il paraît. Ah ouais? Comment ça? Je sais pas, c'est toi qui disais que j'étais numérisé. Ouais, non, mais là, ça va. Ouais. Tu t'es pris pour un scanner? Non, un silon. Un grille-pain. Incroyable ça. Ça escaladait vachement vite. La haine anti-robot est forte ici. J'ai un besoin de Sea of Thievery. Il est nul ce jeu, arrêté. Dis le mec, tu sais que t'as joué avec moi et Mono en plus la dernière fois. Et Adrien. Ouais, alors. Mais d'ailleurs, là, j'essayais, il est désinstallé donc je compte pas le désinstaller. Parce qu'on a fini la quête principale avec Adrien. Donc maintenant, j'ai plus aucun intérêt à y jouer. Ouais, non, mais vous êtes des gens comme ça, là. Vous dites rien et tout, vous faites des trucs dans votre côté. Je crois qu'il y avait une fois, t'avais invité, puis t'avais dit « Ah, je suis pas dispo », et de fil en aiguille, on t'est plus invité. Tu dis non une fois, ça y est, t'es niqué pour la... Ah, ça, en fait, c'est vachement mieux quand il est pas là, non. Ça veut dire, on continue. Ah, bah d'accord, ok. D'accord, je vois. Ok. C'est bien. Mais en plus, là, ils vont faire un event avec Pirates des Caraïbes ou une connerie comme ça, genre. C'est déjà en actualité. Hein. Ouais, bah voilà. Mais vu leur système de quête, ça va juste être chiant. Donc... Ouais, j'aime bien rentrer sur des jeux random comme ça. En fait, je sais pas, moi, Sea of Thieves, il y a un truc, j'ai l'impression qu'il manque 2-3 trucs pour en faire un vrai bon jeu, tu vois. Je sais pas, je reste un peu sur ma fin à chaque fois avec Sea of Thieves. Voir désactiver le PVP. Parce que quand tu fais une quête qui dure 3 heures, et que tu te fais niquer à la fin, et que tu perds l'objet parce qu'il a coulé, t'as la haine vénère, mais vraiment vénère envers le jeu. Pas contre le mec qui t'a tué, mais contre le jeu. Alors avec Mono, une fois, on s'était fait attaquer par, je crois, par des Bangladais. Et ils nous insultaient de loin avec leur langue, là, qu'on comprenait pas.
ça s'invente pas. Et... C'est quoi cette vidéo super connue avec les Français Ah oui, avec les Français. Non. Le pire, c'est qu'il y a du monde en arène. Oui, il y a du monde en arène en plus. Ouais, mais justement, les gens qui veulent pourrir les games des autres, qu'ils aillent en arène en fait, qu'ils arrêtent d'emmerder le monde en PvE. Du coup, ce serait cool de pouvoir désactiver le PvE. Ouais, carrément. Plus de PvE et que du PvP, mais y'a pas un mode comme ça. Si, si, non, mais ah, en voilà, fait, c'est juste trompé, il voulait dire PvP. Tu voulais dire PvP, j'ai dû voir ça. Mais oui, ce serait très bien de pouvoir désactiver le PvP, et c'est dommage qu'il n'y ait pas au moins genre une sélection de serveurs pour dire non, on veut juste faire du PvE et qu'on m'emmerde pas, quoi. Parce que du coup, là, t'as aucun choix. Tu peux juste dire, regardez, je suis gentil, mais les gens qui sont méchants, ils en ont rien à foutre que tu sois gentil. Ils viennent te tuer quand même. Puis il y a des gens qui ont beaucoup trop d'heures sur le jeu, tu te fais laminer la gueule, tu comprends pas ce qui se passe. Quoi. Pas gentil d'être méchant. Exactement. Mais par contre, j'ai découvert qu'en fait, t'es pas beaucoup sur une map. Hein. Je crois que c'est des instances de 10 personnes ou un truc comme ça, 10 groupes de joueurs. Quoi. C'est pas beaucoup. Étonnamment. Alors. Ça fait bizarre, j'ai pas de son. Haha. T'entends en double là ou pas? Je sais pas encore, il faudra voir quand je parle. Ou sinon baisse-moi à la rigueur, je sais pas. Je suis beau. De toute façon, si j'active le son du stream, j'entends rien. La musique est trop légère. On va équiper. Voilà, mon micro il s'active pas donc ça a l'air de bon. Bon, du coup, ouais, allez, on va s'y mettre parce que là, ça avance pas ce bordel. Ouais, incroyable. Incroyable. Je m'entends. Tu veux dire en get-get? Pardon? J'ai pas écouté. Exactement. Tu te souviens où on en était, get-get? Ah, oui, c'était ça à peu près, ouais. On en était au problème fatidique de ouais, mais un base widget, bon, on sait pas de quel type il est. Bah ouais, tu on peut pas caster. Si, normalement, on avait dit qu'on pouvait utiliser les type ID et tout ça, mais... C'est quand même et triste ouais. D'en arriver là. Sauf que tu fais de l'héritage. Ouais, mais on voulait faire un système d'UI sans héritage. Bah, tu voulais faire un système. Oui. Alors, tu te démerdes. Moi, je voulais même pas faire de système d'UI. Je te rappelle. Bah ouais, mais comment tu fais un jeu sans lui? Faut arrêter ces histoires, ça n'existe pas. Ah oui, tu voulais directement utiliser ouais. IMGUI. Non, c'est de la STD. On n'a pas le droit d'inclure de la STD dans notre norme. Alors nous, on le fait pas. Ouais, mais vous avez pas d'équivalent à type info. Non, bah non, ça on peut pas. c'est le seul truc. On a inclus des fois, mais que dans des CPP du coup. Jamais dans des headers, on peut pas le salir. Mais on peut pas faire d'équivalent à type info. Parce que c'est un truc. Bah oui, non, c'est. Pas tellement possible. Tu sais si le hashcode de type info il est certifié d'être unique par classe? Il me semble, ouais. Du coup, on a juste à garder ça en fait. Après, il y a des choses qui font des trucs un peu comme type info. Enfin, juste pour avoir un ID. Quoi. Juste pour avoir un ID, il y a des gens qui font comme type info, quoi? Oui, il y a des trucs sur GitHub. CTTI s'appelle, je crois. CTTI? Il semble. Ouais, c'est ça. Closing Target Trimming? Je te mets le dernier. Je suis pas sûr que ce soit ça. Ah, CTTI.
C'est pour l'avoir au compute time en fait. Ouais. Après que t'en aies besoin. Alors. Ouais, non, je regardais un peu ce qu'ils faisaient, ça a l'air sympa. C'est un sacré bordel quand même, juste pour ça. Oui. Alors que ça devrait tellement être genre dans le langage de base. Je comprends. Mais ça, c'est censé venir, non? Très bien d'avoir des trucs pour faire un peu d'introspection, même des trucs comme ça. Tu vois. Je crois que c'est censé arriver avec le CPP20, non? Non, pas le CPP20. On a déjà le CPP20, c'est sérieux. Ah oui, non, non, c'est encore plus loin du coup. Le 23, peut-être. Mais je crois que c'était en étude, je crois. Mais ouais, ça doit être pour le futur plus. Bon bah du coup on va essayer d'utiliser les hashcodes. Les size underscore t, vous avez un truc parlé pour ça ou pas? U size. C'est dans les arithmetic types. Que dit mono? Que vous allez dire ça? CPP20, c'est la norme 2020 du CPP avec les dernières versions. Ah, d'accord. Ah, mais attends, je viens de comprendre que tu travaillais sur 4 fenêtres en simultané. Point exclamation. Oui. Et après, il y a les tabs. Il a 4 noms. Qu'un seul fichier, c'est pas possible. On peut pas travailler avec un seul fichier. Tu me disais, sinon, Arithmetics. Arithmetic types. Dans dialect. C'est dans dialect du coup. Oh non, c'est quoi que tu utilises dans le CPP20? Hiller was a terminator all along. Je vous ai déjà dit que j'étais un Cylon. Un gros cyborg de tes morts là. Je pense qu'il parlait des méta de l'introspection. Je crois pas qu'il y ait une introspection. Ah non, il demandait ce que c'était le CPP20. Ah d'accord, ok. Ah, d'accord. Du coup, bah, voilà, c'est quoi? C'est les ajouts au langage de 2020 quoi. Enfin, ça c'est la C++. C'est la norme ouais, du C++ qui a été officialisée en 2020 et qui du coup doit être implémenté par les gens qui font les compilateurs. Du coup ça prend toujours un petit écart entre le moment où c'est validé et le moment où c'est implémenté. C'est ça. Actuellement là il n'y a pas encore tous les compilateurs qui supportent tout le C++20, mais c'est en cours. Et du coup tous les 3 ans à peu près il y a des nouvelles choses qui sont ajoutées. Le CCCP20 qui met après. Ah oui, bah oui. Ça, c'est le Central Committee. Il me semblait que j'avais entendu parler d'introspection. C'est plus. J'ai peut-être halluciné hein, après. J'ai peut-être fait d'un rêve une réalité qui n'arrivera jamais. Un article dans Visual Studio Magazine. J'ai vu ça, j'ai pas osé cliquer. Je savais même pas qu'il y avait un Visual Studio Magazine. Pas non plus. Ou alors il y avait une proposition pour le CPP20 et ça avait été rejeté peut-être. Je sais pas. Non. Enfin si. Ok, dans l'article ils disent qu'il y a de super faux quoi. Il y a un truc, il y a un mot-clé qui s'appelle Reflex PR. C'est expérimental.
Ça provide les informations méta d'un objet via les meta object types. J'ai peut-être pas complètement halluciné. Vas-y, je t'envoie ça, je continue mon bordel à tout niquer. D'ailleurs, hey, je viens juste j'ai vu hier le personnage, tu sais, qui représente le Kappa, là, le streamer en question. En fait, c'est un streamer qui, en ce moment, en fait, depuis quelques années maintenant déjà, il fait le tour du Japon, en fait, avec son... Tu sais, comme avec un même bordel que j'irai dormir chez vous, tu vois. En vélo. Et genre, tu vois, il rencontre plein de trucs et tout. Et en fait, il a aidé, mais je sais pas combien de personnes sur son chemin. Il y a même des compilations de lui en train d'aider des mecs, random. En mode sympa. À Shibuya, il me semble. Genre aider des meufs qui se font un petit peu harceler par des lourds, tu vois. Genre des mecs bourrés, il leur remet leur portable dans leur poche parce qu'il était tombé, tu vois. Ouais, il fait que des trucs comme ça. Genre il rencontre des gens, il boit un coup avec et après voilà, il continue. Genre il dit à certains touristes de pas rentrer dans certains bordels là, parce qu'en fait c'est des gros scammers de ouf, tu vois. C'est le genre de truc qui se passe dans pas mal de pays d'ailleurs, où en gros tu vois, on te fait rentrer quelque part dans un bar entre guillemets. On te dit t'inquiète, ça va coûter que 100 balles ou quoi que ce soit, tu vois. Et puis à la fin de la soirée, en fait, les 100 balles se sont transformées en 10 000, tu vois. Et il faut que tu payes. Généralement, c'est tenu par des mecs peu recommandables, tu vois. Et donc du coup, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Ça m'a fait marrer. Alors que moi, depuis le début, moi, je pensais que le mec qui faisait Kappa, en fait, le gars qui représentait le truc Kappa, c'était un des gars de Twitch, en fait. Et en fait, non, c'est juste un streamer. Et c'est plutôt feel good, en vrai, ce qu'il fait. D'ailleurs, il a même eu un surnom à un moment donné sur Internet, c'était l'ange de Shibuya. C'est assez marrant. Non, mais je sais pas. Fun story. Tu peux templater un seul constructeur? Oui, tout à fait. Hop là. C'est très bien ça, dites-moi. Oui. T'as juste à mettre le template au-dessus de ce constructeur, quoi. Exactement. Faut que je coupe mon micro quand je tousse. Allez, mais non, partage ton Covid à tous les spectateurs. Ah, laisse tomber là. Ah d'ailleurs, c'est bientôt la double dose là, toi et à moi là. Dimanche moi. Ouais. Tu sais combien, c'est le 11, c'est ça? Ouais, moi c'est le 12. Le lendemain. Ouais. T'as de la chance toi, ce sera sur les horaires de boulot. Moi je fais ça le dimanche, je vais me faire arnaquer alors que je pourrais me faire payer mon vaccin quoi. Source pour celui-là, je crois pas. Par contre, le template, il faut que tu fasses la définition dans le header directement.
De quoi? C'est une template. Ta classe, tu pourras pas l'écrire dans le CPP après. Faut que tu y fasses la définition dans le header. Ah, sérieux? Ouais. C'est chiant, ça. Oui. Je pense que ça se fait que tu puisses pas juste la déclarer, la complémenter après. Parce qu'en fait, dans c'est comme les classes complètes. Quand tu as un truc qui est template, c'est toute l'implémentation. C'est un prototype en fait. Parce que du coup, ça voudrait dire que je dois mettre le type ID dans le base widget component. Dans le HPP. Ça. Ah oui, oui, oui. Là, il est inclus, tu veux dire? Ouais. Oui. C'est ça qui est chiant. Mais en même temps, si c'est pas ça, c'est que je dois le mettre dans chacun des enfants de base widget, donc... Oui. C'est pas beaucoup mieux. Après, t'as... je te rappelle que c'est toi l'éditeur le plus vénère. Mais... Voilà. Je vais pas avoir le choix, en fait. Et ben tant pis, voilà. J'ai même plus besoin de ça. Du coup, je peux faire un type ID. Tu vas support type info 2t.net. Quelque chose. Type ID. Ah, mais ça, c'est de l'objet. Du coup, c'est type info de la classe. C'est ça? Après, si tu peux vraiment pas inclure le truc ici, tu peux feinter en disant que par défaut ton constructeur il fait rien et après tu déclares les instances du truc, mais du coup il faut qu'il connaisse tous les types ici. Ouais. Donc t'as un template, tu peux dire. Peut déclarer, enfin mettre en prototype, dire cette fonction bah, va être instanciée pour avec ce type là, avec ce type là, avec ce type là. Et dans ce cas-là, les définitions tu le mets dans le CPP. Et ouais. C'est pas forcément plus simple, parce que ça veut dire que dès qu'on va rajouter une classe, faudra la rajouter ici aussi. C'est ça. J'essaie de trouver un sample de quelqu'un qui utilise type info. Et... Bah, dis donc, c'est compliqué. Hein. Si tu vas sur CPPRF, tu peux trouver. Je crois pas que non. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que type info, c'est l'objet que te renvoie type ID. Ah oui. Mais type ID, il prend un paramètre, une variable, et pas une classe. Tu dois pouvoir le faire sur une classe. De ton coup? Non. si. C'est du .NET, je me suis fait arnaquer. Je suis sûr de mon coup. T'es sûr? T'as une preuve par l'absurde? Tout à fait. Ah oui, tu peux faire type ID int. Ouais, je viens de voir un exemple sur c++.com. Le site du langage. Bon, bah ça va, alors tout va bien. Par contre, est-ce qu'il va aimer le template là-dessus? Ça, c'est moins sûr. Hein. Est-ce que quoi? Est-ce qu'il va aimer le template là-dessus? Je suis pas. Pas de problème. Il pâtit de t.h. Code. C'est h underscore code. C'est
je m'étonne. Ouais, c'est ça. C'est comme ça et ça te renvoie un... Voilà, un size underscore T. Prier pour le fait que ça marche. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses qu'il y a une connerie ? Non, c'est juste que tu n'initialises pas type H dans l'autre constructeur. Ah non, il n'y a pas d'autre constructeur. Ouais, l'autre il est delete en fait. Une feinte. Et le move il est delete aussi. Par contre, maintenant, il faut que quand tu appelles le constructeur, il faut que tu précises quel type c'est à chaque fois que tu l'as appelé. Ouais, mais ça encore, c'est acceptable, tu vois. Ouais, parce que c'est juste que là, ça va pas compiler, c'est tout. Ouais. Dans le cas, par exemple, du container widget, en gros, faut lui dire qu'on a besoin d'un widget comme ça. C'est pas super élégant. Mais ça devrait faire le taf. Mais est-ce que du coup je devrais pas move les... Ah bah non, parce qu'en fait on reconstruit ici. On reconstruit dans le cas d'un move. Ouais, okay, ça devrait le faire. Du coup pour le retemplate, c'est pas. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pas avoir des retains, je pense. J'ai jamais tenté le constructeur comme ça. De template comme ça dans... d'appel d'un autre constructeur, ça devrait marcher. J'avoue, je sais pas si va pas me péter un câble en mode de... Ouais, mais je connais pas ce type, t'es en train de le définir, donc t'as pas le droit. J'ai un peu peur. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a un truc qui va mal se passer, tu vois. Non, au pire, tu fais une fonction qui crée le truc, tu vois. Ah mais non, c'est pas possible. J'y ai pensé, c'est super compliqué en vrai. Ouais. On va quand même avoir le problème parce que du coup, en fait, je peux pas construire la base du component. Ou alors, faut que je la construise une première fois avec rien. Du coup, il me faut le constructeur par défaut. Et que je le reconstruise après. Ce serait tout pourri. Enfin, on verra bien. Si on n'a pas le choix, on verra si on aime ça. Si on peut éviter, franchement, ça m'arrange. Et du coup, normalement, on a changé comme constructeur. Ça peut compiler tout de suite. Ça compile pas tout de suite. Voilà. Ah, il a pas l'air d'aimer. Ouais. Ah, il a carrément pas l'air d'aimer parce qu'il pète des câbles maintenant. Peut-être qu'il faut que tu l'appelles explicitement, pas dans la initializer list, mais dans le corps de ton constructeur. Je pense. Est-ce que tu crois que c'est ce que justement, en fait, il connaît pas le type container widget ? Tu vois, en fait, il pète un câble, mais genre bien plus loin. Ah ouais, c'est chelou. Comme si j'avais mal écrit le truc, en fait. Ouais, je pense que tu peux pas mettre de template là, en fait. Dans la syntaxe. Peut-être un type name ou un... Non, mais il te le dirait. Ah non, il pète un câble mort, non. C'est pas très légal de faire ça. Il a pas l'air d'apprécier en tout cas. Je pense que le type name ça pourrait l'aider. Pour
Attends, si on demande aux internets. Si j'essaie de lui dire une autre classe, juste pour voir s'il arrive à supporter une autre classe. Genre si on template avec un int. Ce qui peut être quand même un cas. Ouais. Personne fait ça. De dire que ça, c'est possible. Hein. Par contre, personne ne fait ça. Ouais. Il y a très peu de, très peu de trucs qui en parlent, mais. En fait, le truc, c'est que là, le truc que j'ai, c'est genre une dérivée qui a un template qui, du coup, le partage à, son, à sa base. Quoi. Mais je pense que même de base, va appeler un constructeur de la classe parent qui est template. Sans que la classe soit template. C'est chelou. Je pense.
Évidemment, si je lui donne pas le... Normalement, il devrait pas être d'accord. Même un truc simple, ça compile pas en fait. Ouais. Je pense que ça va être compliqué. Hop là. Il balance quoi quand même du coup? Mais attends, j'ai mal fait. Ouais, c'est vraiment sur la fin qu'il aime pas. Ouais, mais t'as mis des accolades partout là. J'ai oublié des parenthèses en barre putain de P. C'est un détail. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour le compilo ça veut dire beaucoup. A, A de point A, mais n'est pas statiquement de B. Pardon. Si on fait... Mais tu trouves pas le constructeur de A templété? Il attend des parenthèses A. Est-ce qu'il croit que c'est le type qui est templété en fait? Tu peux pas lui passer. Ça me rappelle des trucs. Il y avait des syntaxes très chelous pour faire des trucs comme ça. Donc là, en fait, ce qui te passe, c'est que t'as pas moyen de lui dire que tu veux le constructeur template et que c'est pas le type qui est template. Salut Vixto. Bonsoir. Mon vieux CPP, mais oui. Salut. Tu mon vieux CPP qui compile pas. Et du coup, il y a des syntaxes particulières juste pour ça. Il me semble. Comment faire, quoi. Il y a plus dans des destructeurs, des trucs chelous comme ça, mais... Mais, je sais qu'il devrait être possible. Normal, il compile jamais, manque toujours là ou le... Bon là c'est on fait n'importe quoi avec des templates aussi. C'est un peu de notre faute. On cherche les embrouilles. Ah, mais parce qu'en fait, ouais, quand tu disais il pense que c'est le type, c'est parce qu'en fait, quand tu fais le A avec le template, il cherche une structure A templétée en fait, et pas le constructeur templété de A. C'est ça. Oh, l'enfer. Il va arriver à lui dire que c'est le constructeur qui est templété, pas la classe. Call template constructor. Template argument in constructor of non-template class. Ouais, voilà, c'est ça qu'on cherche. Ben oui, c'est clair. Farino, as I know, it's not possible. Yes, avec le meilleur accent que j'en ai eu. Ah bah toujours, voilà, en plus, tu sais. C'est un super pouvoir, tu sais. Donc, à ce qu'il paraît, c'est pas possible. Non, mais les gens à chaque fois disent ouais, tu peux pas faire de constructeur, par contre, tu peux faire une méthode create. Tu peux pas faire T en lui envoyant le type info.
en paramètre au lieu d'envoyer un template. De quoi? Au lieu de faire un constructeur template, tu fais un constructeur qui prend un type info en paramètre. Ouais, du coup, il faut que. Du coup, ça ferait que je dois mettre le type info dans toutes les subclasses en fait. Ouais. Ce que je voulais éviter. Bah après, si on peut pas, on peut pas. Hein. Mais du coup, tu peux le mettre dans le. Ça pour le coup, tu peux le mettre dans le CPP. Et plus dans le. Et de. Ça pour le coup, je peux le mettre dans le CPP. Parce que du coup, c'est dans l'implémentation du constructeur que tu vas appeler type info. Donc tu peux faire l'implémentation dans un CPP. Mais oui, tu dois devoir inclure le truc. Ouais, mais de toute façon, je dois le passer en argument du constructeur, donc je serai niqué, quoi qu'il en. Oui, c'est vrai. En fait, il sera forcément inclus dans 50 fichiers différents, quoi. Oui. Oui, bah, très bien, voilà. C'est la tristitude, ça. Eh ben, tant pis. Tant pis, on va lui envoyer le H, et puis voilà. Pour une fois qu'on pouvait faire un truc stylé en CPP, ben on peut pas, voilà. Bravo. Du coup, t'envoyer directement le hash en fait. Ouais, comme ça, t'as pas besoin d'inclure le type info dans base widget. Donc, du code générique. Ça, il sera inclus dans toutes les dérivées, mais au moins pour tout ce qui est uniquement sur l'utilisation de la base, on l'aura pas. Normalement, c'est quand même la majorité du code, donc ça devrait aller, mais c'est un peu la tristesse. De toute façon, quand tu l'inclus dans base widget, tu l'inclus implicitement dans toutes les autres CPP, tous ceux qui en héritent. Oui. Voilà, du coup, au moins, on l'aura pas, quoi. C'est déjà ça. Type.id. Ouais, 10, du coup. J'ai hésité. Ah non, bah non, parce que 10, il est pas encore typé. Quand c'est un constructeur. En plus, c'est un pointeur, donc je sais pas si après ça va trop. Ouais. Normalement, ça devrait le faire. Mais... Si tu le déréférences, ça passe, mais quand dans le constructeur, il sera pas encore marqué comme un text widget. C'est un peu chaud quand même. C'est un peu cherché la merde. Faut pas se mentir. Non, mais on va finir par se spécialiser dans le cherchage d'emmerde avec le C++, je pense. Ça fait 2-3 fois où on se prend des murs comme ça et essayer de faire des trucs un peu trop fifou. Donc ça normalement on a dit ça compile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié le point hcode. Non, mais... deuxième monsieur. J'ai oublié le point hcode. Heureusement que j'ai fait n'importe quoi avec mon dossier de build. J'ai oublié include aussi. Peut-être. Avant que tu l'aies laissé dans la base. Bah il est dans la base. Mais après, il va en avoir besoin pour faire le cast, non? Ah ouais, non, tu veux dire la queue de type info? Oui. Coucou, Edjud. Comment ça va? Yo. Alors, type info, je vais me mettre tout en bas, du coup. Photo complétion de qualité. Ouais, du coup, moi je me disais en fait, il faut peut-être que je mette arithmetic types quand même dans les enfants. Pourquoi? Bah, vu qu'il prend en paramètre un useSize, il faut qu'il puisse faire la conversion entre le size underscore t et le useSize. Non? Mais en même temps, tu vois, genre on le saura jamais parce qu'on inclut la base qui inclut arithmetic types. C'est ça. D'un côté, en même temps, comme ça, si on change le type,
Bah les enfants, ils le sauront jamais. Ils ont pas à le savoir en fait. Donc les includes, ils se font bien dans la base. C'est compliqué, bordel. C'est compliqué. Mais non, mais. Je sais que ça se perd. Malade sous antibio, du coup ça va pas très bien. Ah, qu'est-ce que t'as chopé encore? Ça arrive, non. Et monsieur. Il y a plein de trucs qui pètent, mais alors c'est pas à moi tout ça. T'as mis à jour tes submodules? Qu'est-ce qui se passe? Moi je ferai, je mettrai à jour mes submodules. Avoir des super nouveautés. Non, tu veux que je mette à jour? Internal compiler error. Ah, t'es factureux. T'es plus sur Clang là? Et la dernière fois, on avait dit faut que tu mettes à jour ton MSVC, sinon on avait compilé avec Clang du coup. Mais là t'es retourné avec MSVC. Il a peut-être changé parce qu'il a détecté des changements ou quoi, non? Parce que normalement, il. Enfin... T'avais pas fait un dossier qui s'appelait build underscore Clang? Ah mais oui. C'est pour ça que ça marche pas. Bien vu. Bien vu maître Gengat. Bon ça marche pas quand même, mais c'est bien vu. Là c'est mieux, là c'est des conneries. Ça c'est à nous ça. C'est moi qui fais n'importe quoi. Quoi. Ah mais justement. Le constructeur existe pas. Au début peut-être. Ah, oh, je suis au début, regarde bien. Il manque une parenthèse, monsieur. Il manque une parenthèse. Sérieux? J'ai fait ça? T'as oublié la virgule, en fait. Après type H, dans le constructeur de base widget component. Je le vois de mes yeux, voix. Genre ici? Genre ici? En effet. C'est très bien vu. Ben... Bixton en parlait tout à l'heure, la virgule qu'on oublie quoi. C'est la virgule. Paf. Bon, il va nous laisser tranquille à un moment. Private is not used. Bah si, il est used. Non, tu l'as pas lu. Pas encore. Ouais. Oui, et t'as laissé un template dans container widget. C'est dans le move. Et du coup ici il faut que je renvoie le. Oui. Est-ce que je le move ou est-ce que je le refais? Moi je dirais que tu pourrais le mettre en constante statique dans la classe. Comme ça tu le mets une fois. Je pense que c'est constant. H-code. Je pense que c'est constant. Tu peux mettre un paramètre constexte? Non, non, mais tu le mets en variable de ta classe. Quelque part. En variable de ma classe. Genre, ouais, tu veux dire dans container? Ouais. Ah. Le static constexte type H, type H, et puis bam. Je pense que. Ça passe. Du coup, je garde quoi? Que le H ou le. Ou tout le type info. Le page directement, je dirais. Le... Un grand fou. Ouais. Je suis pas un grand virus, pas gentil. En même temps, des virus gentils, on a pas des masses. Son mec. Ah, mais la méthode hcode est pas constexte, hein. Mais ça quoi? Qu'elle soit définie constexpr pour pouvoir l'utiliser en constexpr, non? Parce qu'il y a l'opérateur égal, mais pas hcode. Ah non, parce que si en fait c'était si c'était constexpr expressible. Ah mais c'est pour les dynamiques. Ça veut dire que ce serait compile time en fait. Ouais c'est pas, ça. Ouais, c'est... Et pas. Bah tu peux mettre static const. Runtime. Ouais. Super. Const. Du coup, il faut faire. Je trouve un nom.
pour un type déjà. Ouais, mais le type, c'est un U-size, on a dit. Est-ce que tu peux l'appeler type H? Bah ouais, non. This type H. So, usually in science and technology. Ah, okay. Amaroko, actually, we selected the those tag because there was an idea behind it. I mean, you can leave it wherever you want. Oh yeah, no, because actually, what I was trying to explain. Sorry, I was doing the thing in the meantime. It's for an idea that the game developers and all are doing more like you know, craftsmanship, something like artisanal. I don't know if it's possible to say that in English, but anyway, that's the actually a little bit the spirit that we want to implement on this stream. But yeah, I totally agree that sometimes this can be misleading about what we are doing here. And we apologize for that. Dommage qu'on puisse pas mettre deux catégories en même temps. Yeah, actually, like my friend is just saying there, it's a little bit a miss that we can't do both other thing, like putting two tags like this. Usually makers and everything is physical stuff. Yeah, we know. Yeah, but you know, that's what I think. Yeah, no, but you're totally right. I'm not saying that you're wrong, mate. Yeah, it's just like, I don't know how to say it properly, because in French, this concept it's really easy to understand. And since English is not my native, I don't know if I explain it well or anything. I get it. Yeah, okay, good. Homemade style. Yeah, that's the spirit, actually, that we want to put in this life. It's bad for you. It's because you're missing your audience. Yeah. It's true. Ah, parce qu'il peut encore définir. Usually crawl the categories. Yeah. Va le faire juste après. Oh, but you're right. Maybe we're gonna to change that at some point, because like French that we are, we try to do not in the conventional way. Just by a philosophical thing or meaning, anyway. So that's why we're missing, I guess. But I think we're going to change that sooner or later. Maybe for the next one, probably. C'est une connerie de faire ça. C'est ce que je me disais, là. Faut le faire dans un CPP. But if you have some question here, you can ask. We will be pleased to answer. Only other thing I think is the resolution. Yeah, the resolution. Yeah, okay. It's actually my setup and the setup that we are using that doesn't allow us to change a lot of the things, and we know that and plus we are quite the amateur on this subject, so code étendu à l'air. Ouais, je sais. But for now, we can't change that. For now. But we will. Là, je crois que c'est plus une question pour toi, Hilo. Mm-hmm. On peut t'en sortir avec plus étendu lien.
J'ai zoomé un peu, peut-être que ça va aider un peu. And, it's a command line editor on Windows. Yes, it's a command line. It's in fact Git Bash, which I use. And also, which is a window order is a Konemu. And yes, I'm using NVIM. It's a kind of preference for the text editor. I prefer it for all the Visual Studio or Riders and other stuff. Du coup, on en était à il faut faire ça dans un CPP, mais il n'y a pas de CPP pour faire ça. Source. Oui. This game I team so many years ago. Got game because to start small, but too complex. Ah. Okay, I kind of know your struggle, mate. But the problem, it would be always the same thing when you're going to create a video game. It's to learn the language that you will have to use to code. But in the meantime, actually, Game Maker is kind of meh. You have to be tricky if you want to do everything that you want. For your video game. I always wanted a 2D Pokemon style Splinter Cell. Oh! Like the old Metal Gear. The first one, the one that is awful. Not saying that it would be an awful idea, but. Kind of. Yeah, okay. No, it's a great idea, yeah. And you will imagine the world like it's in another universe, or it's something historical, something like that. Don't worry, we're not going to steal your project, mate. We are doing something clearly different. Straight up, okay. So it's basically a fan game of Splinter Cell. Kind of cool. In 2D. I'm kind of curious if you finish this game. Come back and tell us. We'll gladly test it up. But if you want, like a Python, I see. Oh, yeah. Maybe try the Godot. I don't know if it's how you pronounce it in English, but it's. Okay, I will write it down. Just a sec. Toop. There, Godot. There, it's made in Python basically, and there is a lot of tutorials and all. So maybe you will find happiness with it. There aren't many to down simple games. Yeah, Godot or Unity. Unity is kind of easy to use for simple project. More than Unreal. Unreal is more harder to get you involved. Yeah, I kind of started at some point with Godot, but I am shit. So. Dimensions got way better than a few years ago when you only got game makers and other stuff like that. That was really. How to say that, but very simple in the approach and kind of static. You got a list of action possible and that's it, and now you can make everything you want and in a more easy fashion. And plus there is this thing like when like because I'm just reading your comments like else but adventure. Yeah, Game Maker is basically just a program to allow you to do like an RPG kind of thing, but it's more like GRPG.
So it's kind of difficult to do anything else than that because it was thought and make like that. So. C'est l'instant auto-promo. Auto-promotion here. So it's normal that you wouldn't do what you pleased with your game maker. It's kind of frustrating, this thing, actually. I tried something once, I wasn't happy with it because it's kind of generic and I don't know, it's basically you're doing the same game that that everyone are doing on this platform. I mean, game maker. So it's not a good choice, if I may. But for starting, yeah, sure. It's kind of a good choice to me. And so basically, that, yeah, because you're kind of new in this life, so maybe I will just try to explain to you what we're doing here. So basically, we are doing a tabletop game with card and all. So that's the project of the video game. So basically, you are two guild that are fighting each other just to reach first the room where there is the boss of the dungeon, the first one who actually killed it, win the game. But in the meantime, you can improve your guild, your to have more heroes, to make them fight harder, to make them more alive and all. Why does the code look so basic, like you're writing in from scratch? It doesn't look very abstracted. Is that normal? Okay. Hugh Lore. He will answer to you because he know more about this stuff. Why does code look so basic, like you're writing from scratch? It doesn't look very... Yeah, that's because we very close to make it from scratch, but we don't exactly make it from scratch. We're using a game library, a game framework made by ex-colleague of mine, ex-co-workers of mine, which works on it from maybe 1 or 2 years ago. So we use it because I especially don't want to use a big game engine because maybe it's more easy or more quick to make a game with it, but it's also mean you get a lot of dependencies which you may don't want. Like we're working on a table board game, and we don't want anything physics in it. And if we're working on Unity or Unreal, we don't have the choice to have all the physics dependencies. With this framework, we have the choice. So that's why we decided to use a more lightweight framework and not a big engine. And also because I'm working, I'm a game developer at my work, so I'm already using a game engine all the day long, and I'm kind of becoming sick of it. So to avoid being too much annoyed by the game engine approach, I decided to avoid using a game engine. Is it clear? Yeah, because to add something more about that, it's the project of the stream is to show what happened when you start from scratch a video game. So you have to draw everything by hand. Point d'interrogation. Draw everything? Yes, closely. Very closely, we have a little
abstraction over the rendering, but yeah, we have to specifically say what we want to draw and at which frame, and we kind of manage the frame render the frame rate too. And for a simple example, we currently working on the main menu, and the approach over here was instead of like you said, draw everything by hand, we start working on a widget hierarchy, which make it more easier for the main loop to only render the menu which is right here. We render only the root containers, which contains the main widget, which is a menu, and which is described in a data language over here. And to be explicit about it, the main menu is in fact a container, which has its position and the size described. Currently, the size is static, but we are going to make it more dynamic about the window size. And every widget has multiple components. Here, the components is a container, which has three other widgets, which are defined by the components too, which are text component currently. So the first one is the title, the second one is the start button, the third one is the exit button. And it looks like that currently. So we got all the debugger too, because we're going to make it on the data-driven paradigm. So everything the gameplay will use will be described in data, in the language you see earlier. So currently it's looking like that. It's kind of simple at the beginning. On the right of this screen, you can see the card definition. The card has a unique name, a description, a cost, and also a kind of component, which may be either a hero or a monster or an event or no monster, because monsters are hero in fact, because they have the same abilities in fact. And that's it for the moment. So at least we have something to show different from the other stream which use Unity or Unreal. It's kind of unique. To be clear, actually, the team that is working on this project, it's composed by people who actually work in video game and another person, me, who doesn't work in the video game. So basically, like that, we are kind of the duo that can answer possibly every question that someone can have on the topic. Like, how do you start a video game, and how frustrated you were, for example, for the amateur like me, to try to create one and to start a project like that. We can learn the methodology that we are using here, kind of old to be precise, because we are doing a GDD, but yeah, we share all the links, we try to be transparent on it, and every stream you can see where we are about the creation of the video game, that encoding or the documents, like the creatures with the heroes, the items that can equip, the guild, the game system, everything. And some, and we can do, yeah, we at least did once
mock-up. Just to have a little example for the combat system, actually, we did. And so, yeah. In every stream, we are talking about how we can do the thing or how to redo, because we already done it twice, because at some point we have to improve the system, because the heroes were too weak or they were not equilibrated. So we tried to nerf and to boost some heroes or some abilities, just to be interesting for the player to play with. Yeah, that's all. But we're quite new in the streaming thing, so if you have any suggestion or what, tell us. That will make us really happy today, I guess. Putain, j'ai envie d'un café, moi. Bravo, quelle idée. 19h27. Ouais. C'est pas l'heure, monsieur. Ouais, non, je sais. Mais là, j'ai fait des items, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait des items, j'ai fait des améliorations de build. J'ai fait. Ça compile. Yes! Du coup, maintenant, on peut faire. On va pouvoir faire la méthode qui permet de savoir si c'est le même type. Et quand on avait besoin de ça? Quoi? C'est où que t'en avais besoin de ça? Ici. J'ai mis un commentaire explicite pour dire ah là là, il faut caster, mais comment on sait que c'est un container? De la qualité, ça. Est-ce que tu peux t'empléter en demandant la présence d'une property, d'un membre? Genre, est-ce que tu peux dire ouais, j'ai un template T, mais il est uniquement utilisable si le T, en fait, il a local type H? Bah oui, il suffit de marquer t.localtypeh et ça va pas compiler si tu passes un t qui ne l'a pas. C'est la puissance. Ah, c'est vrai que du coup ça va péter directement la compile, en fait. Ouais. Du coup, ça va créer une multitude de méthodes un peu tout pété. Ça dépend ce que tu fais. Ça, c'est légal, tu vas me dire. Ouais. Incroyable. Tu peux enlever le maybe you news, du coup. Ouais, du coup, maintenant, il est use, donc il va plus m'emmerder. Compilo, là. Hein. Qui me respecte plus. Du coup, on compile pour être sûr, quand même. Voilà, ça compile pas, j'en étais sûr. Ah, ou alors c'est ce qu'il connaît pas encore. Ajouter le CPP des types dans le message. Non, non, c'est pour ça qu'il est. T'inquiète. Et voilà. Mission. Là, le CPP des types, quoi. Putain. C'est chiant d'avoir dû faire ça, quoi. J'ai appelé ça comment, en plus, widget types? J'ai appelé ça comme ça. Tellement la chose. Oh, j'ai honte. Tout ça parce que leur type ID n'est pas constexte, quoi. On n'aurait pas le problème si c'était constexte. Ah, voilà, ça compile plus. Oui, parce que j'ai du mal à écrire le truc de définition, je pense.
truc là à chaque fois je me casse. Taille pas dit non qu'il faut que tu mettes pas taille pas faux. T'avais bien fait. Je l'ai bien fait avant, puis là après j'ai complètement pété un câble parce que j'étais encore dans ma désillusion de devoir créer un fichier aussi horrible que ça. Bam. Boum. Ça compile. Ça compile donc maintenant on peut faire. Et laisse-moi avec mes commentaires. Donc si main component is same type as container widget component. Dans ce cas-là. Oh, c'est ça. C'est que t'as exactement la même chose sur Unreal avec les U-Objects. Tous les U-Objects, ils ont un is-e. Genre is-e et le type comme ça. Je me demande s'ils ont pas fait ça comme ça, franchement. Alors je pense qu'ils ont fait un peu mieux, parce qu'ils ont quand même des étapes de compilation et qu'ils vont aller chercher des données tout seul. Ouais. Ils ont de l'introspection et tout, donc ils doivent avoir quand même un truc un peu plus évolué que un H-code qui est foutu quelque part dans la classe. Et on se moque, mais en vrai, ça va faire le taf. Du coup, je peux être un auto. C'est vrai, je pourrais automatiser. Static cast, c'est ce qu'on peut le static cast maintenant. Tout ça pour ça. Hein. Tout ça, mais pas le dynamic cast. En même temps, le dynamic cast c'était une connerie. Ah, static cast en constref, je pense. Parce que là, comme ça, il va pas apprécier. De quoi? Dans static cast, ouais, je pense que c'est constref. Dans le template? Mais si je lui donne pas l'objet aussi, putain, j'en ai marre. Par contre, ouais, là. Il va un peu de chaud. Franchement, auto, c'est plus ce que c'était. Ouais, on va le mettre en auto. Auto, ouais, quand même. Pas des pestes. Donc là, on a trouvé le main container. On est heureux. Incroyable ça. Ah, peut-être plusieurs même. Comment? Il y en a peut-être plusieurs. Ouais. Techniquement, c'est possible. Si on a plusieurs, c'est la merde. On peut se mentir. Tu peux la servir. Maintenant, il faut qu'on itère sur. Ouais, mais en vrai, c'est pas forcément des composants, tu vois. On pourrait avoir un container avec tout ce qui est genre background si on a plusieurs images ou des trucs comme ça. Un container foreground. Déjà, c'est compliqué. Du coup, avoir plusieurs panels sur l'écran, par exemple, qui sont à la racine. Ouais, c'est pour ça que tu vois le tableau de components, il est bien. Hein. Donc, j'hésite encore à le retirer parce que je trouve que ça peut être sympa. Hein. Mmh. Surtout que maintenant, en plus, on a de quoi faire. On a de quoi vérifier les types. C'est horrible. Autoconst. Autre quoi. Là c'est quoi c'est le component qu'il y a dedans? Non c'est des base widgets. On peut laisser auto. Ouais je sors de les coucherai en ce moment. Donc on a quoi widget dans le container. Ça c'est pour passer le input. Non. Enfin, pour récupérer le start et le exit button. Ah oui. Ah putain, il n'y a plus de respect, le respect est mort. Il est mort et enterré, je crois. Tu sais que dans NLC, t'as un super clip qui s'appelle NLC Algo et tu peux faire un find if avec. Par exemple. C'est vrai? Ouais. Bon, on va faire ça. Je pose ça là. Par contre, t'ajoutes la. Container en children. Ah non, c'est pas dans le truc. Non, c'est dans. C'est un NLC algo find if. Et après, tu lui passes tes itérateurs et tout ça. Je crois que t'as inclus une nouvelle. NLC algo. Algorithme.
Oh, le goût, mais tu l'as pas. Il faut que tu rajoutes la libre. J'ai pas la dépendance. Non. Ah, ça tombe bien, c'est ouvert. Mmh. Ouais, mais est-ce que. Tu montes, je pense. Ouais, voilà. C'est des os là. Tac, c'est dans le. Il est dans le Supro, dans le Subproject NLC fondamental. C'est NLC à côté, ouais. Je l'ai déjà. Ah ouais, ok. Eh oui, enfin, monsieur, je t'avais comme un sale. Pareil. Oui. J'étais prêt, moi. Donc c'est Algo et tu m'as dit c'est findif. Find underscore if. Point HPP. Il croit que c'est un mot-clé. Et donc là-dedans, après, on peut faire un NFC. Find... Tu peux dire, tu peux aussi le faire pour. Ah oui, ça dépend, oui, si tu veux faire tous les composants. Find if. Ah oui, t'as pas la complétion. Ouais, du coup, il a pas la complétion. Parce qu'en plus, ce fichier-là, il est pas encore compilé. Alors, c'est pour te dire. Le bordel. Donc, t'as dit, c'est dans NLC Fundamentals. NLC Algo. Algo. Find if. C'est sûr que c'est find if, c'est pas find.hpp. C'est find.hpp, ouais. Parce que le mec il me dit find.hpp, mais... Ouais, mais... T'as cru que mais au final, hein ah. C'est quand même NLC, deux points, deux points, algo, deux points, deux points, findif. Ah, c'est... C'est dans le namespace, quand même. Ah. J'avais pas compris. Findif, avec un span. Donc il faut faire un NLC mail explain. Ouais, c'est ça. Ça, je sais faire, maintenant. Enfin, je peux croire, mais... Au final, pour moi, je sais très bien que je m'en sortirai pas tout ça. Et là, donc vois... ça, c'est le predicate. Du coup, je peux lui envoyer ce que je veux. Oui, tu peux faire une petite lambda à la volette. Là, tu les auras en dur les noms des trucs de exister de. Bah ouais, ce que j'allais dire, c'est pas fameux hein. Les noms en constante. Parce que je vais mettre en const exprès quelque part. Hein. Je sais pas si je vais les mettre ici. Mais... Au moins, je vais les mettre là pour les avoir à un endroit. Mais... Non, mais c'est pas fameux. Mais. Il y a pas de nom, franchement. Il y a pas de type. Que si tu te mets à jour, tu pourrais le mettre en string view. Plein d'œil. Ouais, mais ça a tout pété. Mais non. C'est quoi, c'est sur Project Update? Ouais. Projects. Si ça compile plus, ça a bardé. Si ça compile plus, ça sera pour le mieux. Non, ça se passe pas comme ça, monsieur. Du coup, là, on a dit on va faire un NFC. Pourquoi je fais un start. Est-ce que je l'ai appelé start putain? Oui, tout à fait. Donc là, je peux capturer juste start button ou pas? Non, je peux pas. Ouais, je pense. Oui, oui. Non, t'as pas besoin de le capturer vu que c'est constect. Tu l'as direct accès automatiquement. J'ai jamais écrit un lambda. Là, c'est les arguments. Parenthèse. Et ça va te passer un buzz widget const. Ref. Et après, bah, le corps de la fonction. Okay. Parenthèse, point, virgule. Je vais pas accrocher. Non, c'est bon, c'est bon, ce que t'as fait, c'est bien.
J'avais entendu crochet, je me disais quoi. Du coup là, il faut vérifier que le type est le bon, en fait. Enfin, le nom est le bon, en fait. C'est ça. Genre, si ça renvoie au trou, c'est bon, c'est celui-là, quoi. C'est ça. Je te renvoie le premier, en fait, qui matche le prédicat. On peut espérer qu'il n'y en aura pas plusieurs. Et si y en a plusieurs, alors là, c'est la merde. Ah, c'est la S. Du coup, ça me le renvoie. Genre oui. Ici, je récupère un base budget. Ça te renvoie un optional d'un pointeur. C'est un peu compliqué. Il y a eu des gros débats sur qu'est-ce que je devais renvoyer. Base budget. Pointeur. Const pointeur. Ouais. Après, le pointeur est constant aussi. Et donc. Mais quoi se calmer sur les constes. Tart widget. Par contre, du coup, c'est garanti que s'il est optionnel, il est pas nul. Et valide. Le pointeur, il est pas nul, PTR. Pourquoi c'est un pointeur, du coup, si c'est déjà optionnel? Parce qu'on peut pas l'envoyer une référence dans optionnel. Ah! C'est pour ça? C'est ça. Ouais, je comprends. À la base, moi j'avais hésité à renvoyer dire juste un pointeur et puis mettre du PTR quand on trouvait pas. Mais en fait, on a dit que optionnel c'était plus expressif. Voilà. Alors, c'est vrai. Par contre, j'avoue que le optionnel sur pointeur ça fait très, très bizarre. Ouais. Alors après, il y avait une autre option, c'était NLC optionnel de 1 NLC pointer. Parce que NLC pointer c'est un pointeur où il garantit qu'il est pas nul. Un NLC de quoi? Pointer. C'est une classe pointer du coup. Ouais. C'est un pointeur non nul quoi. Tu peux déréférencer en toute tranquillité. Après il peut être il peut être dangling. Il peut prendre un pendulier tu vois mais il est pas nul. Je reviens, je vais mettre ma clé à SSH. J'ai l'impression que ça marchait pas parce qu'il n'avait pas la clé à SSH. Du coup, donc là, ça renvoie le start widget, il me faut le exit widget. Dire la même chose, mais là on commence à avoir un truc pas mal. On a de quoi trouver des widgets, ouais. Voilà. Vérifier les types des components, ça commence à être robuste. Hein. Ça s'incrémente. Donc là on dit si l'optional est valide. Gérer quand il te trouve pas le bouton parce que t'exploses. Je joue parce que là je peux pas le construire en fait si j'ai pas le bouton. Ce que tu pourrais faire c'est dans ton constructeur tu prends les deux widgets en référence et tu fais une méthode qu'il construit qui te renvoie un optional de main menu controller et s'il y a les deux il te le construit et s'il y a pas les deux il te renvoie nul. Ah, genre je le fais pas dans le constructeur du main menu controller. Ouais, si tu veux être sûr d'avoir un truc avec un écran. Sinon, il faut que t'aies un truc qui te dise si ton main menu il est valide ou pas, quoi. Une fois que tu l'as créé. Mais je préfère l'approche. Ton objet il est toujours valide quand il est là, quoi. Et puis, Attends. Et tu peux du coup mettre le constructeur en privé et puis mettre en friend, juste ta fonction de création comme ça. Je vais sûrement faire ça.
Du coup, le valide, c'est quoi? C'est sur les optionnels, c'est... NLC nul. Il est différent de NLC. Start. Full extract ou un truc comme et... ça. Et étoile du coup. Et si je veux te récupérer une référence. Ça. Non, on va faire tout de suite la méthode de... Et par contre... T'as mis l'étoile étoile start button au lieu de start widget. Et pareil pour exit. Ah. Si je peux me permettre. Hein. Malin. Il a tout cassé. Ah. Ils sont toujours en train de péter un câble. T'arrives pas à... Est-ce que t'as des modifs ouais, je dois encore avoir le problème de... Bah non, j'ai pas de modifs dans les projets. Mais je dois avoir le problème de... Tu sais, GitHub qui me fait... Enfin, GitHub, non, c'est pas GitHub, mais... Ah, mec. Qui me fait, ouais, timeout... Genre, j'arrive pas à lire ta clé ou des trucs comme ça, là. Je sais pas ce qu'il fait. Des fois, il me fait ça. Du coup, on disait... On voit du coup un NLC optional 2. Voilà. Donc en fait tout ça, oui, ça va venir ici. On n'a pas vraiment besoin. Hein. 41 items là. Si on peut en avoir besoin quand même. En fait, je vais peut-être mettre le. Ah oui, tu fais comment là du coup si il y en a plusieurs? Pendant le dernier exploit, je pense. De quoi? De. Ouais, des containers widgets. Non, pas pour le start, pour. Des containers widgets. Ouais, du coup, s'il en a plusieurs, c'est pas grave, il itérera sur tous. Ok. Je peux mettre les optionnels ici et les récupérer après, non? Ouais, ouais, par défaut il s'initialise à nul et puis après. Ouais, ça sera juste invalide quoi. Il n'y a pas qu'une lettre qui change entre start et exit. Hein. C'est un câble un peu. Tac. Ça c'est bon. J'ai une dalle. Allez, ça va être l'heure de manger. Par contre, là, si tu fais comme ça et qu'il en trouve un de valide au milieu, mais que le dernier est pas valide, tu auras un truc pas valide. Bon, après, t'es pas censé en avoir plusieurs. Ah, j'avoue, s'il passe sur le conteneur. Parce qu'en fait, si le find if il va retourner nul, si. Ouais. S'il le. C'est ça, du coup, ouais, ça va écraser s'il y en avait un qui marchait, quoi. Ce serait dommage. Sinon tu peux faire ouais. On va chercher que si on l'a pas trouvé déjà. Après si tu décores les deux, ça veut dire que tu peux trouver un start widget dans un container et un exit widget dans un autre. Ouais. Ça me paraît pas genre impossible. On va dire que pour le moment c'est valide si vraiment. Si vraiment je vois une contre-indication à ça.
quoi changer. Ce serait vraiment recherché quand même comme idée quoi. Donc en fait ici on va plus prendre de base widget, menu widget, on va prendre la start button. Chat. Allez. Les vœux ont pas compte ou pas? Oui, les fonds ont pas const. Ok, bah faut que tu changes du coup. Je change de côté là. Faut que tu mettes l'optional pas const. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, je peux pas les garder const parce que si je dois changer un truc visuel dessus. Ouais, ouais. Je suis nickel en fait. Je vérifie juste que. C'est possible. Que Findif te fasse pas chier, mais je pense qu'il prend un pas const, il n'y a pas de raison. Bon, et du coup, en fait, le constructeur, je peux directement le. Ouais, c'est bon. Findif, il te renvoie pas un const. Exit. Putain. C'est pas sûr, non, ça. Intéressant, allez, constructeur, c'est ma passion. Et donc là, si on a start widget différent de nul, peut-être nul, on a le c'est nul. Et exit widget différent de nul, c'est nul. Ça c'est vrai, on peut faire un main menu contrôleur. Et du coup start. J'ai double des références. Ouais, faut que j'ai des références. Et le updown que je dois prendre en paramètre, je le connais pas. C'est pareil, menu widget si vous voulez en paramètre. De quoi? Il faut que tu en paramètres aussi le widget de base. Non. Je vais prendre le. Je vais allègrement voler le constructeur de menu. Oui. Qui a volé le constructeur? Honteux. Audio. Eh bien, re. Est-ce qu'il se passe? Quelqu'un est arrivé sur le stream? Non, c'est boué. Ah. Du coup, je suis allé me faire couler un café parce que j'en pouvais plus. 6 minutes. Enfin, ouais, j'avais pas fait gaffe. Hein. Allez. Hein. Alors là, tu vas avoir un problème de compilation. J'annonce. Un LC nul, en fait. Ouais, c'est ça, il faut créer explicitement un optional du bon type, sinon il va pas vouloir. Il va te dire, je comprends pas ton ternaire, il y a un type différent des deux côtés. Oh! Optional du coup de main. Oh, t'es pas obligé de mettre un LC1 dedans, tu peux juste. La parenthèse, parenthèse. Oui. Ouais. Donc comme ça quoi. Ouais. Du coup, en général, comme ça me saoule ce pattern, je fais le test avant de. Si c'est pas bon, et je fais return à LC2, et sinon je rendrai le tout. Je vais découper en deux. Ouais, mais j'aime bien les ternaires. Ouais, mais. Ternaires, ça me fait mal. Ça. Ouais, c'est. En fait, c'est dommage de pas pouvoir juste dire NFC. Bah ouais, tant mais pis. Ça, on peut pas faire ça, c'est le C++. Ouais, bah ça, pour le coup, ouais, tu peux pas définir le type comme ça, voilà, tu en manges. Ou alors, il faudrait une classe qui contient le ternaire. Non! Tu pars trop loin, tu sais. On pourrait faire un helper qui est mec optional, hors nul, et tu lui passes la condition. Ouais, voilà, c'est et ça. Le type et les trucs. Tu vois, t'aurais un truc qui te permet d'avoir le ternaire et la return value qui serait constante. Enfin, constante. Ce serait la même, du coup. Ouais. Mais c'est un peu vers silo. Ça vaut le coup. Je suis pas sûr. En fait, tu vois. Exactement, le port 22 Network Unreachable. Ah ouais, mais toi t'as des problèmes avec Git.
Avec Framagit, t'aimes pas. Et pourtant, tu vois, genre ça peut même pas venir de chez moi. Parce que justement, j'ai formaté il y a genre une semaine ou deux. Ouais. Donc j'ai le setup le plus clean que j'ai jamais eu, quoi. Et pourtant, il me faut encore chier, tu vois, mais... je sais pas. Souvent, ça arrive quand la première fois que j'essaie de le faire, j'ai oublié de mettre ma clé SSH. Ouais, après, t'es baisé. Après, et après, il me fait des ouais, network error, machin, tout ça. Donc. Puis dans ce cas-là, faut attendre 10 minutes avant qu'il se relâche, le machin. C'est passionnant, quoi. Du coup... Oui, il me fait un prototype de la fonction dans le... Ici. Auto mec. Bien. Base widget. Voilà, on va mettre la mascotte. C'est dans le dialecte. Oui. Tout à fait. Incroyable. Il faudrait compter le nombre de fois où je me gourre et le nombre de fois où j'ai raison. Oh, ça c'est fait... ou pas, tu vois. On fait une courbe après. La courbe d'apprentissage. Ouais, du coup on disait que ça on pouvait le passer en privé, du coup. Ouais, c'est comme tu le sors. Après, si tu veux pouvoir le construire comme ça, en disant de widget optif. Bah, je sais pas. En fait, est-ce qu'à un moment, tu peux le construire comme ça? Je sais pas, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Puis je vais... Ouais. En fait, y a rien qui l'empêche. Tu vois. Genre, tu peux te dire, ouais. Tu prends deux boutons et tu lui envoies et tu te crées un main menu contrôleur. Ouais, enfin, pas déconnant. Le mec, là, c'est juste un petit helper pour aller chercher des widgets qu'il te faut, quoi. Après... Bah, ça te, ouais, ça te retire toute la complexité de recherche des components en question, quoi. Ah, il a réussi à update. Oh. Incroyable. Donc là, je peux tester de compiler directement. Et ça va pas compiler. Ouais, mais ça sera à cause d'erreur à toi. Non, parce que là, le fichier qu'on a édité, il est pas encore... Ah. Ton passe-phrase, monsieur. Ah oui, puisqu'on a une nouvelle, un nouveau module qui est NLC Math. Ouais, j'ai entendu parler de cette nouvelle. Ah, voilà. Ah, ça se compile pas. Ça, je vais engueuler des gens. JLM Conan Dep. Non, c'est toi, c'est toi, c'est JLM Conan Dep, ça existe plus. Maintenant, il faut dépendre de NLC Math. Donc, c'est ici. Oui. Est-ce que, donc, voilà, JLM Conan Dep, tu dégages ça. Et tu vas aller chercher un LC Math à la place. Ouais. Une fois que tu rajoutes un subproject avec un S. Du coup, je vais le mettre ici, mais ce sera pas sur ce projet, j'imagine. C'est ça, c'est pas le même subproject. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à prendre dedans ou je fais direct? Non, non, tu peux faire directement. C'est quoi du coup NLC Math? Ouais. Tout à fait. Et du coup, pareil, Graphic Engine, tu peux le regrouper dans une ligne. Au Graphic Engine Dep. Oui, parce qu'il est plus utilisé que dans Graphic Engine. Bim. Ok, il faut que tu rajoutes le point wrap de NLC Math. Ah bah oui. Et tu peux le copier depuis un subproject, genre Graphic Engine par exemple. Oh l'enfoiré. Y'a pas de S, tu peux le virer. Non, j'avais dit qu'il fallait copier. RCP. Ouais, mais je te dis, il met toujours un caractère de merde. Ah oui, c'est vrai. Quand je remonte en fait dans l'historique des commandes, il met un caractère. Ah, un caractère qui reste. Non, c'est pas lui qu'il faut copier. C'est dans Graphic Engine.
tu revas dans un subproject et là tu vas avoir un lcmat.wrap. Et ça tu le copies dans subproject. Et là normalement t'es. Mais là d'après la magie de la science. T'as pas mis un lcmat dans tes dépendances à toi. Est-ce que je l'ai en dépendance? C'est ça la vraie question. Est-ce que ouais, JLM Conan, tu l'utilises? Peut-être pas encore. Hein. Je pense pas que je l'ai. Ah, tu vois, je l'avais pas. Donc... Ok, ok. On devrait le faire. Du coup, ça compile. Ah, incroyable. C'est beau. Tu vois, il n'y a pas eu. Du coup, maintenant, il faut rajouter le fichier main menu. Bah, il doit attaquer les ingrédients dans le CPP, je pense. Ouais, très probablement. Quoique, hein. Genre string view. T'as nul aussi pour FPP, mais il est inclus par optionnel. Mais c'est. Moi, je suis bien le mettre. Ouais, mais il n'y a pas de DLC optionnel, tu vois. Faut que je le mette aussi. C'est un dialect string view. Ouais. Donc on a dit qu'il faut mettre optionnel. C'est bon. Mais optionnel, tu l'as dans le hatch, dans le header, mais tu peux le remettre. Bah ouais, mais on va considérer qu'on l'a pas dans le header. On n'est pas des fous non plus, tu vois. Le fou. Genre si demain il est plus dans le header, ça complique plus ou quoi. Merci. Ouais. Du coup, bah en vrai, ça doit être les seuls trucs qui manquaient. Hein. Je pense, ouais. Parce qu'après, on n'utilise que les containers, on a le base widget, le base widget components. Ici, on a pas. Est-ce que tu pourrais faire aussi pas pour que ça compile, mais pour. Pas itérer sur tous les composants, c'est faire un find if pour trouver ton main component. Comme ça, tu récupères le premier et puis basta. Sur le isType. Ouais, mais là, ça dépend de comment tu veux gérer le truc. Parce que là, ça veut dire que. Je peux absolument. C'est ça. Enfin, que ce soit forcément dans le premier. C'est ça. Donc, ça dépend si tu veux gérer plus ou moins de trucs. Du coup, pour ça, je sais pas encore trop si. Okay. Si je vais faire ça. Donc... Là, normalement, dans la théorie du monde, ça compile. On va voir tout de suite que ça ne compile pas. T'as toujours pas rajouté le CPP dans le Mason. Non, mais bah non, c'est pour ça que je le coup, ça va compiler. Alors, tu pousses dans. Je comprends mieux. Il est 20h04. Bah, ça tombe bien, là, ça va compiler. Et après, on aura fini un truc. Ouais, je retrouve le fichier. Il retrouve le fichier perdu. Allez, dedans, 8 contrôleurs. Donc. Source. 8 contrôleurs. Mais. C'est bien, j'ai plus, je crois. Ouais, je suis en train de me dire que c'est une nomenclature. Peut-être le renommer. Pour le moment, on va le mettre comme ça pour voir si ça compile déjà. Pour ça, je vais mettre un hors stream si je peux le remettre. Avec un S, t'es sûr? Non, pas du tout, mais je vais vérifier. Source, lui, controllers, c'est bien ça, et il n'y a pas de S. Incroyable. Là, c'est vrai que vous êtes partout. Attention. Attention les yeux. Bam. Ah, ça explose. Ah, il a pas aimé la lampe d'ail. Ah, je me suis. Ah, c'est un unique PTR. Ouais, mais ça, c'est le auto, tu vois. Ça, c'est le auto qui m'a tué. Et t'as pas déréférencé dans. Quand tu fais le. T'appelles le constructeur dans le return. T'as pas déréférencé les trucs. C'est vrai que tu l'as dit en plus, j'ai oublié de. Si on peut. Ça c'est de ma faute en plus. Alors... Là le nom il a. Il peut pas être implicitement capturé. Ah putain ouais. Faut que tu mettes une capture. Une capture soit de référence soit de. C'est ça. C'est ça. Tu fasses une capture globale de référence. Genre juste c'est tu mets un nom, et ça en plus ça dépend parce que c'est MS... un c'est Clang qui fait ça. Et si avec MSVC, tu vois, si tu colles la variable, tu mets le nom de la variable, MSVC il va t'engueuler pour dire c'est pas la peine de capturer, il est const. Putain, les constructeurs de compilo.
Quelle bande de casse-couilles. Ah, et là, du coup, il me dit non, via contre. Ah oui, parce que c'est un pointeur. Ah, toujours, hein, toujours ce, ouais. Ce point. Hein. Il faut que tu le point get et que tu le déréférences. Ou double déréférence. Ouais, je veux double déréférence. Ah non, un seul, ça devrait suffire. Non, je crois que ça te renvoie un... une référence. Ça, quoi, tu exactement la référence. C'est possible. Optionnel. À quel endroit? Ligne 24. C'est ici. Il n'a pas l'air d'aimer le passage au... Ah, il a l'air de récupérer un const. Hein. Ah. Non. Où j'ai fumé? Oui, c'est parce que ton container il est const. Bref, donc forcément ce que tu récupères dessus c'est des const. Ah. Faut pas que tu le mettes en const. Du coup, faut faire ça. Enlever ça, si cast et pareil dans. Si. Dans ta. Boucle... Devrait... Ah non, dans ton forcément parce que c'est le unique pointer, lui il peut rester const. Normalement. Non, il veut pas parce que du coup, ça c'est const donc t'as pas le droit de le caster en quelque chose qui est pas const. Ouais, ça va être vrai. Je vais faire sauter. Voilà, ça compile, incroyable. Oh putain, ouais, j'étais sur le truc au-dessus. Je croyais que ça marchait toujours pas. Et non, ça compile, c'est juste que quand ça compile, ça fait que deux lignes et du coup ça se voit pas. Il devrait y avoir un gros message en vert, genre ça compile. Il y a des raisons de paniquer des fois, hein, franchement. On va CP avec le build clang. Compile commande. Compile. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pour qu'il soit content. Ouais. Et encore, est-ce que ça a marché? Il est pas content là. Ah ouais, il aime pas. Hein. Bon, bah, faudrait que je le quitte et que je roule. C'est pas très bien. Bah voilà, très bien. La prochaine fois, on pourra déjà le créer. Ensuite, faire le process input parce que actuellement, il n'y a pas de process. Perfect. Stylé. Comme ça, on a fini presque à l'heure. Allez. Bah là, on a fait 2 heures exactement de live. Pendant... Parfait. C'est stylé. Bien sûr, c'est stylé. Il y a pas mal d'erreurs qui disparaissent quand même avec cette copie. Ouais, du coup, j'étais en train de me dire comment on va pouvoir marquer lequel et sélectionner. On modifiera le texte. Tu peux changer la couleur aussi. C'est vrai. Ça sera plus joli. Peut-être faire les deux même. Ou la taille, la taille. On va pas devenir fou non plus. Tellement d'options. Ouais, après faudra que je pense sérieusement à... Ah, du coup faire des instances et des descriptions. Parce que là, si par exemple on modifie un texte, tu vois. Ouais. Bah je suis pas censé... Enfin, je risque de perdre le texte d'origine. Ah oui. Ouais, pour la couleur, tu vois. Du coup, faudrait vraiment des vrais... Des vrais descripteurs, hein. Des vrais... Il va falloir tout dédoubler, du coup. Ouais. Ça va être un enfer. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Tu me diras quand tu feras ça, je viendrai pas. Si tu veux, je crois que je dis Nord, c'est pas là. Je dis, ouais, je suis du là. Coup, du coup, s'il faut, je fais un stream maintenance. Une où tu fais tout. Que des trucs de merde comme ça. Et ça, personne ne va venir, ce sera le stream le plus pourri de l'année. Quoi. On fera l'annonce stream maintenance, ne venez pas. Stream, ne viendez pas parce que ça va être chiant. Bon, moi j'ai faim là. Et quoi de ton côté un peu, Nours là? T'es arrivé à un truc satisfaisant? Alors, moi de mon côté, j'ai fait des items. J'en ai fait 28. Au total, là, pour aujourd'hui, j'en ai fait 28. J'ai fait un nouveau héros. Parce que c'était basé sur un item. Et après, j'ai fait 2-3 events en plus.
Mais le plus important que j'étais en train d'essayer de pas trop abuser sur les items. Et je suis allé vérifier si, pour certains héros en fait qui généraient des items. Oh. Donc des items bien particuliers. Donc du coup je suis allé les rechercher pour les recopier, tu vois, pour les mettre dans la base de données, on va dire, des items. Et après, voilà. Puis, je suis allé voir les events, voir si jamais ils généraient aussi des items pour les créer et tout ça. J'ai essayé de structurer le truc en essayant de pré-mâcher le travail plus tard, en fait, en termes de PO ou de nombre de cartes que cet item est présent. Donc, du coup, je les ai un petit peu séparés avec des petits trucs, machin et tout. Et puis voilà quoi. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai créé les premiers items en gros. Ok. Bah, c'est cool. Et là, je suis en train de réfléchir en amont. Pour le système économique, pour le PO, enfin pour les pièces d'or et tout, en gros, ce que les joueurs auront pour dépenser, pour acheter de nouveaux héros, pour acheter de nouveaux machins. D'ailleurs, j'ai fait des améliorations de guild aussi dans les items. Je les ai mis directement dans les items, sauf qu'ils ont une catégorie à part, hein, c'est l'amélioration de guild. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. À bientôt. C'est long. Ah ouais, carrément. Donc, on s'arrête l'eau. Tout à fait. Tu t'as fait le Pokémon, tu t'as fait. Bon bah très bien. Oui, bah, bonne soirée. Mais bah, bonne soirée à ça. Tous et à toutes. À la prochaine. Et du coup, prochaine live. Qui sera, je suis soir. Ouais. Mais ne venez pas. Mais ne venez pas parce qu'il va être chiant. D'accord, donc on en est là. Très bien. Non, on est une compagnie. Ah, il faut être honnête, je pense que c'est la clé de... Bon. Ah, voilà. Sur ce. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée, tchouchous. Au revoir. Et au revoir. Et.